Bonjour à tous. Même si nous n'avons pas eu énormément d'infos à nous mettre sous la dent ces derniers jours, voici l'essentiel de l'actu qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur Gameloft.com. Depuis le lancement de la Xbox One, Kinect est de loin l'outil le plus controversé de la nouvelle génération. Inutile pour certains, ridicule pour d'autres, le ramasseur de poussière made in Microsoft fait à nouveau parler de lui avec une annonce pour le moins fracassante. GTA V, oui, vous savez, le jeu où l'on peut désormais reluquer des prostitutes en vue subjective, et accessoirement l'un des plus grands jeux de tous les temps. Mais bon, ça c'est moins important bien entendu. Eh bien, figurez-vous qu'il est sur le point de sortir sur PC, et qu'on vous annonce la date officielle. Enfin, pour le moment officielle. C'est un fait, à la rédaction nous adorons Ubisoft et sa politique commerciale irréprochable qui consiste à proposer des jeux d'une qualité exceptionnelle une fois la dizaine de patchs et mises à jour installées. Mais ce que nous aimons par-dessus tout chez Ubi, ce sont assurément leurs DLC, surtout quand c'est gratos. Un cadeau ? Pour tout le monde ? Et on parle encore d'un truc gratuit là ? Il n'y a pas à dire, Destiny est plutôt balèze lorsqu'il s'agit de faire parler de lui avec rien ou pas grand-chose. On parie que vous allez lire la news en question ? Vous n'êtes plus à une 3DS près, non ? Difficile en effet de comptabiliser le nombre d'éditions différentes de la dernière portable de Nintendo, tellement il existe deux modèles. Et pourtant, en voilà une de plus. Mais attention, il va falloir la mériter cette fois-ci. Voilà pour l'essentiel du jeu vidéo. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'un récapitulatif des meilleurs articles publiés cette semaine sur Gameloft.com et que vous trouverez un accès direct vers chacun des sujets évoqués dans la description située sous la vidéo. Et n'oubliez pas, Facebook ne rend pas les gens cons, il contribue juste à ce que ça se remarque davantage. En attendant, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau récap, et d'ici là, portez-vous bien.